Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que chez vous il fait beau. Chez moi il fait un temps tout pourri. Il pleut et sinon à part ça il pleut. Voilà. Mais ça ne nous casse pas le moral, c'est pas mal. Il fait frais et ça arrose les jardins gratuitement. On va aller voir pour les énergies de mercredi, jeudi, le 7 et le 8 juillet. Quel est le petit ange qui est avec nous? J'espère que tout le monde va bien. Et bien c'est l'ange de la gratitude qui est avec nous. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Ok, donc si on a l'ange de la gratitude avec nous, c'est qu'on a eu un truc cool. On est content. Alors, qu'est-ce qu'on a en notre deck? L'ange du pouvoir. Magnifique. Bah, magnifique, on a repris notre pouvoir. Et puis bah, là, on peut dire merci. Merci, merci, merci. On va aller prendre l'oracle d'Annabella, tiens, pour aller faire une énergie générale. Je l'ai sous le coude et j'ai envie de la faire comme ça. Annabella, 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 wow. Vous allez en avoir marre un jour de mes chansons. Je pense un jour, vous allez me dire, j'en ai marre de tes chansons. Allez, on est parti. Waouh. Besoin de prendre du temps pour toi. Regarde comme elle est belle, cette carte. Ok, donc on a besoin de prendre du temps pour nous. Donc peut-être qu'on est dans la gratitude parce qu'on prend du temps pour nous. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Bon, on a besoin de faire plein de trucs, quoi, en gros, quoi. Hein? Bon, bien. Et quel est du coup le message? On va prendre les animaux là. Voilà. On pourrait prendre les petites sirènes, ça fait longtemps. On va quand même prendre les animaux. On prendra les petites sirènes ce week-end. Hein, si j'y pense, parce que des fois je dis que je vais faire des trucs et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Des fois on a trop de choses en tête. Alors. Quelle est... non. Ouais, j'aimerais bien qu'elle saute. Laissez-moi m'embrasser mon jeu, s'il vous plaît. Voilà, merci. Ok, c'est celle-là. Waouh, la loyauté. On est fidèle, fidèle à nous-mêmes, avec le chien. Le meilleur ami de l'homme, d'après ce qu'on dit. Bon, par contre, je ne suis pas sûre que l'homme soit le meilleur ami du chien. Ça dépend. Voilà. Ça dépasse, forcément. Je suis d'humeur blagueuse ce soir. Donc, on est dans la gratitude. On a besoin du temps de prendre du temps pour nous. Et on a la fidélité de manière générale. Pour moi, là, vraiment, c'est plus être fidèle à soi-même, fidèle à ses intuitions, à ses ressentis. Ouais, voyez, parce qu'on a le panda avec l'équilibre derrière, avec beaucoup de chakra coronal et de chakra cœur, ce qui nous parle de réaligner la tête et le cœur. Ok, c'est cool. Ce qui est déjà pas mal. On va aller voir avec le Light Seer's Tarot quels sont les messages, si j'arrive à brasser mon tarot. Voilà. À brasser, à touiller, je vous aurai tout ça, ce qui est très technique. C'est hyper technique. Je touille le tarot, je brasse le tarot, je sors la poêle et je fais des crêpes. On est parti. Quels sont les messages pour mercredi, jeudi, s'il vous plaît? Waouh, la mort. Magnifique. La renaissance. La renaissance. Parce que la mort, c'est ça. Laisser mourir ce qui ne nous convient plus pour renaître. Qu'est-ce qu'on ne serait pas dans la gratitude, justement, parce qu'on est en train de renaître. De renaître à nous-mêmes. Vous voyez, dans le Light Seer's Tarot, elle est bien parce que il y a vraiment la lumière au milieu de la mort. Au lieu d'avoir du noir, c'est on sort d'une zone d'ombre et on va vers la lumière, vous voyez? Parce qu'on laisse, ce qui n'a plus lieu d'être, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme message pour mercredi, jeudi, les guides, s'il vous plaît? Magnifique. J'ai encore pris mon tarot à l'envers, donc je vais prendre un droit. Le 10 de Pentacle. Un équilibre au niveau financier. Peut-être un nouveau projet. L'abondance. L'équilibre au niveau familial. Le fait d'être bien. Le fait d'être bien financièrement. D'avoir tout ce qu'on veut. Wow, le chariot. On vous dit que les choses avancent. Ça bouge. Puis alors, le chariot, ça avance vite. Hein. Ça bouge parce qu'on est équilibré et qu'on avance avec notre cœur. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le monde. Bah dis donc, on va me sortir toutes les meilleures cartes du tarot. Ça se passe comment là? On a trois arcanes majeures et non des moindres, quoi. La mort, le chariot et le monde. Ok, on va aller voir après ce que ça nous dit. On a quoi d'autre? Le page de coupe. Ok, bon, bah, j'arrête là. Magnifique. Écoutez, salut. Passez une bonne soirée. Tout est dit. Voilà. Et elle se casse et elle éteint.
Bon alors, on va résumer ces cartes. En deux decks, on a le 4 de Pentacles, le fait de garder pour soi. Donc, pour moi, c'est très positif. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit pour mercredi, jeudi, on laisse des choses, un projet, une personne, quelque chose qui n'a plus lieu d'être. On laisse ça derrière nous. On est éclairé, on trouve la lumière à l'intérieur de nous, vous voyez ? On avance vraiment avec le cœur en ayant conscience de ce qui n'a plus lieu d'être. Il faut que ça reste derrière. Pour s'équilibrer au niveau familial, dans un projet financier, dans un projet professionnel, dans un projet avec certaines personnes. En tout cas, on va vraiment vers des énergies très positives pour nous équilibrer, réaligner, où vraiment on est apaisé, c'est vraiment la famille au sens large et c'est vraiment un équilibre financier, matériel. Voyez ce que je veux dire, cette espèce de cocon de complétude et de partage avec des personnes de cœur. On nous dit qu'on avance vers ça. En tout cas, on avance dans un projet. On avance par rapport à une personne. On avance dans notre vie. On avance par rapport à la réalisation de nos rêves. Et on avance plus que plus parce qu'on a le monde. Donc, la possibilité de réaliser tout ce qu'on veut. Avoir vraiment le... Je dis toujours avoir le monde à ses pieds. Vous voyez, c'est comme si elle jongle avec ses cerceaux avec lesquels on faisait du hula hoop comme ça, là. Vous voyez, bon, c'est un serpent quand même. Hein. Donc, c'est quand même un serpent qui nous rappelle que... C'est comme s'il y a le... Vous savez, en économie, il y a le cercle vertueux et le cercle dépréciatif, si je ne me trompe pas du terme. Ben là, voilà, on est dans un cercle vertueux, en fait. Et ça tourne, et ça tourne. Et une fois qu'on a lancé l'abondance, la renaissance, et qu'on a avancé, ben on avance. Et on avance vers que du positif, un alignement des chakras avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Derrière, on a quoi ? On a le page de couple, la fidélité. En restant fidèle à nous-mêmes, fidèle à notre cœur, on s'élève vraiment pour ce qui fait vibrer notre cœur, vous voyez ? C'est vraiment un chant du cœur. On écoute nos intuitions, on écoute la loyauté, le chien, si vous voulez. Il y a tout qui se recoupe dans ce tirage. Parce que soit on a pris du temps pour nous, soit on va prendre du temps pour nous. Et du coup, forcément, on est dans la gratitude. Je veux dire, quand on a le monde, le 10 de Pentacle, le chariot, le page de coupe, on peut être que dans la gratitude. En d'autres decks, on nous dit qu'on va quand même garder les choses pour nous. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va crier sur tous les toits. Ou alors, on va avoir besoin d'économiser de l'argent par rapport à un projet. Mais on sait très bien pourquoi. Vous voyez, les choses vont être abondantes après, derrière. Soit un projet, soit avec une personne, soit dans une relation. On va quand même aller compléter avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour mercredi, jeudi. En tout cas, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Alors, c'est des grosses avancées. Hein. On a quand même trois arcanes majeures. Donc, pour moi, c'est peut-être qu'on a avancé sur des blessures d'âme. On a avancé sur des gros blocages qu'on avait. On a avancé par rapport à une situation qui était bloquée. La mort, c'est pas rien. C'est vraiment laisser mourir quelque chose qui était là, latent depuis longtemps. On s'en débarrasse, quoi. Qu'est-ce qu'on a ? Le compromis. Bah oui, forcément, on s'équilibre. On s'équilibre avec nous-mêmes. On trouve des compromis avec une personne aussi. Peut-être qu'on laisse mourir aussi la colère et les conflits. Hein, c'est possible, hein, sur un sens beaucoup plus basique. En tout cas, on s'équilibre, on négocie, on se met en accord avec nous-mêmes, en accord avec une personne. On équilibre soit un projet, soit un plan de financement, soit une relation avec quelqu'un. C'est déjà un équilibre à l'intérieur de vous, si vous voulez. On va s'équilibrer dans nos énergies parce que vraiment, on laisse derrière ce qui vibre plus, ce qui nous correspond plus. Regardez, on vous dit que vous avez la victoire. Vous avez la victoire par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance. Le 10 de coupe, c'est vraiment l'abondance, mais c'est au-delà du fait qu'on ait de l'argent et qu'on fasse fructifier nos deniers, c'est qu'on les partage même en famille. On est au summum de l'abondance, si vous voulez. C'est vraiment le fait, en plus de partager son expérience, partager de façon équilibrée. Donc, c'est magnifique, magnifique. Ouais, c'est une victoire pour nous. Vous voyez ? Parce qu'on se sépare. Et ça rejoint la carte de la mort, la séparation. Vraiment, pour moi, mercredi, jeudi, là, en tout cas, dans les énergies, ou si vous regardez ce tirage, ça peut être dans 6 mois et ça peut vous correspondre, vous quittez une situation qui ne vous correspond plus. Une personne, un travail, un environnement social, familial, il y a quelque chose que vous quittez qui ne vous correspond plus, là, vous laissez derrière. Du coup, ça vous équilibre. Et on vous dit que c'est une grande victoire pour vous. Le monde, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le monde, là ? Magnifique. Ce tirage est magnifique. Franchement, je crois que je vais l'intituler comme ça. Je vais intituler « Ce tirage est magnifique ». La culpabilité.
Oui, effectivement, il y a des gens qui vont peut-être essayer de nous culpabiliser. Mais ben, pour moi, rien à péter. Hein. Franchement, je ne le vois pas comme vous allez être culpabilisé. Hein. Je pense qu'il y a des personnes qui vont peut-être vous monter du doigt parce que c'est sûr que quand on brille et quand tous nos projets... Vous savez, c'est toujours pareil. On arrive au bout, on réalise un projet, on s'est donné du mal quand même, je veux dire. On a travaillé sur nous, on a avancé, surtout dans les énergies, dans la spiritualité, parce que ce n'est pas évident. Il faut aller gratter ses parts d'ombre, il faut faire le point sur nous-mêmes, nos modes de fonctionnement. Et quand on arrive au summum et qu'on est enfin équilibré, ben, y a des gens qui nous montrent du doigt. « Ah, regarde, elle a changé. Ouais, elle a changé. Ouais, ouais. » Et ben, ce n'est pas parce qu'on a changé que ce n'est pas bien. On peut changer en mieux. » Voyez, et c'est ok en fait, voilà. Donc ouais, vous laissez pas culpabiliser. Puis alors sur le monde, je pense pas que vous allez vous laisser culpabiliser longtemps, hein, je vous le dis. Hein. Mais oui, il y a peut-être des gens qui vont bavasser. Bon bah c'est ok. Hein. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de l'étranger. Aller vers quelque chose de différent. Aller voir ailleurs. Prendre le large. Parce qu'on est fidèle à soi-même. Parce qu'on écoute son cœur à soi. On n'a pas de dépendance. On n'a plus de dépendance. On se libère de tout ce qui ne nous correspond pas et on va vers quelque chose de différent. Voyez, là j'ai le voyage, on a pris de la hauteur, vous avez la montgolfière, vous prenez de la hauteur, vous écoutez vos intuitions, vous avez le monde, encore une fois le monde entre vos mains. C'est comme si vous étiez le créateur de votre vie. C'est ça qu'on vous dit dans ce tirage. Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions et avancez, et c'est magnifique, hein. Et pour moi vous en êtes conscient, hein. L'enfant, bah ouais, forcément. L'enfant, le nouveau projet, une nouvelle personne, un nouveau projet, ou alors peut-être vraiment un projet d'enfant. J'ai deux fois le 4, donc c'est pas anodin, je vous le dis. Pour ceux à qui ça parle, si vous voyez beaucoup de 4 en ce moment, allez peut-être voir les heures miroirs ou les chiffres, le chiffre 4, le nombre 4, s'il vous parle, hein, bien entendu. Hein. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'examen. Vous réussissez cet examen. C'est l'examen final, vous en sortez haut la main. Bon, je l'ai vu, hein. Stabilité au niveau de la famille, des correspondances, ok. Ben, dis donc. C'est plutôt chouette. Hein. Ça bouge là. Hein. Ça bouge beaucoup pour mercredi, jeudi. Hein. On se libère de ce qui ne nous correspond pas et on avance vers quelque chose qui vibre plus pour nous là. Hein. Quel que soit le domaine, hein, parce que là, on est dans du général. Hein. Regardez, vous voyez, j'ai encore l'élévation. Oui, bah oui, ça ne m'étonne pas que j'ai l'élévation. On laisse mourir ce qui ne nous correspond plus. On s'équilibre et on avance, on évolue. Non, j'aime bien qu'elle saute. Vous savez comment je fonctionne. La lumière, ben voilà. La lumière, la clarté, des énergies positives, l'abondance. L'argent fait beaucoup de lumière. Si on est au soleil aussi, le soleil, c'est avoir la lumière aussi, avoir le déclic sur quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de vous libérer d'énergie qui ne vous correspond plus, vous allez peut-être avoir la tête moins embrouillée et avoir vraiment comme une illumination, vous voyez. Et on vous dit que ça va être une grande victoire pour vous. Eh ouais, le sacrifice. Alors, on se sépare peut-être d'un côté sacrificiel, d'être sacrificiel dans une situation. Ça peut être attendre un autre qui ne revient pas. Ça peut être rester dans un travail parce qu'on se dit que comment vont faire les autres. Bah, nul n'est irremplaçable dans la vie. Hein. S'il y a quelque chose, un travail qui ne vous correspond pas, barrez-vous en fait. Ça n'a rien, enfin, vous faites comme vous voulez, hein. C'est mes conseils. Hein, mais la vie est beaucoup trop courte pour qu'on se prenne la tête à rester dans des situations, à être sacrificiel pour l'autre. Puis quand on est sacrificiel, si vous voulez, on ne fait pas les choses avec le cœur, contrairement à ce qu'on pense en fait. On le fait comme si on devait, par sacrifice. C'est pas par amour pour moi le sacrifice. C'est pas quelque chose de positif d'être sacrificiel comme ça. Normalement, on devrait être équilibré. Et si on fait les choses parce qu'on a envie de les faire, on les reprochera jamais à personne. Vous voyez, quand on est sacrificiel, on va se reprocher. Mais t'as vu tout ce que j'ai fait pour toi? Tu te rends compte, j'ai fait tout ça. Ouais, bah, si tu avais envie de faire ça pour l'autre et que tu l'as fait et que ça t'a fait plaisir, bah, t'as pas à lui, jamais tu lui dis ça en fait, tu vois. Bref, je vous parle d'un autre, mais ça peut être d'un travail, hein. On peut être sacrificiel dans un travail, hein. On a besoin de moi, on a besoin de faire plus d'heures, bah, je vais faire toujours plus d'heures, toujours plus. Ouais, mais en fait, ça rime à quoi? Qu'est-ce que vous, ça vous apporte, vous voyez? Le papyrus, ouais. Vous allez peut-être apprendre qu'il y a des personnes qui ont parlé sur vous. Hein. Ça va être une libération, hein, dans tous les cas. Hein. Ça va être une libération. Ou alors, vous allez apprendre des choses
des choses cachées depuis un moment. Le papyrus, c'est le savoir. Ça peut être aussi un savoir qu'on trouve à l'intérieur de soi, peut-être une force d'avancer, vous voyez. On fait la lumière sur certaines choses. On fait la lumière sur certaines choses et on apprend peut-être sur soi, en fait, sur son âme, sur soi, sur son mode de fonctionnement, vous voyez, sur quelque chose qui ne fonctionnait pas, qu'on laisse mourir, soit une relation, soit un travail, soit une colère, une peur, vous voyez ce que je veux dire, un schéma de pensée, ça faut voir plus large, hein, ça peut être bien plus large que ça. On vous parle de la fusion, donc qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes équilibré, en tout cas, là, clairement, cette ligne, elle nous parle beaucoup de sentimental. Bon, ça nous parle d'une personne fidèle, intègre, fidèle dans ses émotions. On vous parle de l'étranger, ça peut être une personne étrangère avec laquelle il y aura une belle union. Clairement, là, cette ligne, voilà ce qu'elle nous dit. De manière plus générale, parce qu'on reste dans le général, on vous dit d'être fidèle à vous-même, que vous bougez dans vos énergies, vous prenez de la hauteur, vous allez voir ailleurs, voyez, vous vous équilibrez dans vos polarités, d'accord? Puis c'est quelque chose aussi qui va être durable, comme ces deux anneaux, on pourra pas l'enlever comme ça. Une fois que vous avez avancé dans cette élévation, vous n'allez pas faire marche arrière, voyez. Pour moi, on laisse vraiment un côté, effectivement, sacrificiel derrière. On tranche. Vous avez l'arme. Vous tranchez pour vous, pour moi. Vous tranchez pour vous, pour vous écouter, pour vos nouveaux projets, pour... ouais, il y a une histoire de couper court aussi, j'entends. Couper court à une situation qui ne vous correspond pas. C'est plutôt intéressant. Tiens, on va faire un truc sympatoche. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris l'oracle de Mélisse. C'est un petit oracle. Je ne vais pas vous lire tout ce qu'il y a dessus, mais on va compléter avec l'oracle de Mélisse, qui est très, très enfantin comme oracle. J'adore, puisqu'il est... On dirait un bonbon, cet oracle. Alors, quels sont les messages complémentaires avec l'oracle de Mélisse, s'il vous plaît? Purifier. Ouais, vous voyez? Vous purifiez vos énergies. Alors, ça me fait penser aussi à une douche de lumière, on est purifié parce qu'on laisse derrière des énergies, des personnes, des situations, un travail. On laisse vraiment partir, mais on lâche, quoi. On est libéré. Donc, du coup, on se purifie, on s'élève et on s'équilibre. Forcément, on s'équilibre. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La graine magique. Regardez. Vous allez planter les graines d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau. Pour moi, ça se pourrait que vous ayez demain et après-demain, ou quand vous regardez ce tirage, hein, une illumination sur ce que vous voulez faire. Il y a un nouveau projet ou une situation sur laquelle il y a quelque chose qui s'éclaire. Voyez, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire parce qu'on s'est libéré de ce qui, de part de notre esprit qui nous parasitait en fait. On s'est élevé, on a purifié, on a nettoyé, on s'est recentré sur nous, on a pris du temps pour nous, on est resté fidèle à nous-mêmes et là, tac, il y a une espèce de déclic qui arrive. Et on va pouvoir semer les graines de ce qu'on va vouloir, ce qu'on va mettre en place plus tard, voyez. Pour moi, c'est quelque chose qui va être très positif, hein. Je vous le dis, hein. Parce que vu les cartes qu'on a derrière, visualise. Bah oui, regardez. On vous dit de visualiser. Ouais, visualiser le chariot, visualiser les choses qui avancent, visualiser le fait de réussir à ne plus être sacrificiel, à vous séparer, à réussir à vous séparer. Alors, ça peut être séparer d'une personne, hein, aussi, tout simplement. Hein. Tout simplement, vous séparer d'un travail, vous séparer de... Ne vous posez pas la question du pourquoi, du comment. C'est ça qu'elle nous dit, cette carte. Écoutez vos intuitions et visualisez. Et vous allez, dans l'énergie, acter cette transformation, vous voyez ? Magnifique. Vraiment, c'est chouette. Ça fait un peu carte conseil, du coup. La porte enneigée. Alors, là, je vais vous la lire. Tu as de belles choses à découvrir derrière cette porte enneigée. Cette carte te demande de réchauffer ton cœur car tu as gelé tes émotions et as du mal à ouvrir la porte. Observe et nettoie tes sentiments et tes ressentis. Eh bien, c'est peut-être ça que vous allez découvrir. Vous allez peut-être découvrir que vous aviez le chakra du cœur qui était bloqué, en fait. C'est bête parce que ça floute, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Il y a peut-être une ouverture de cœur, là. Pour certains, vous avez été blessé dans une situation. Il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a mis à terre, et vous arrivez à le laisser derrière. Et vous vous rendez compte qu'au final, ça vous bloquait parce que ça bloquait votre cœur, vos émotions, votre créativité. Et vraiment, le fait d'avancer, d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet, vous voyez. Vous restiez de glace, j'entends.
Ben là, c'est fini pour moi. Vous allez vous ouvrir. Hein. Regardez, voyez, je suis derrière, j'ai quoi? L'émotion. Libère les mauvais sentiments qui restent en toi. La méditation peut t'aider à comprendre et voir ce qui ne va pas pour que tu puisses te libérer de la tristesse intérieure que tu accumules. Voyez? Voyez quelque chose qui vous a blessé. C'est ça, ce rééquilibrage. Il y a un rééquilibrage émotionnel vraiment qui se fait. Ouais. Et pour moi, c'est ça que vous laissez partir. Vous laissez partir le fait de bloquer ses émotions, une tristesse, des peurs, vous tranchez, vous en avez marre, stop. Vous avez été assez malheureux, vous avez été assez sacrificiel, vous avez été assez dans la peur, vous avez été assez dans les schémas de pensée bloquants, vous avez... Mais, stop en fait, trop c'est trop, on arrête et on purifie tout ça. Et on va poser d'autres graines. Voyez, les amis sincères, on vous dit que vous avez des amis autour de vous, ça vous parle aussi d'écouter votre chakra du troisième œil. Vous savez comment reconnaître vos vrais amis, vous savez qui sont vos vrais amis. Voyez, j'ai aussi la naissance derrière, encore une fois, j'ai l'enfant, le nouveau projet, les rêves, donc magnifique. Vous savez reconnaître vos amis, vous savez de qui vous avez besoin de vous entourer, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui est mauvais. Viens, mon chéri chat d'amour. Moi, j'ai Chacha qui rentre, ça fait 2 jours que je ne l'ai pas vu. Allez, je sors mes cartes, il arrive. Ouais, les animaux, ils sont incroyables. Qu'est-ce qu'on nous dit pour demain? On nous dit que vous laissez de côté des énergies négatives, un travail, quelque chose qui ne vous correspond plus. Vous laissez mourir pour aller renaître. Vous renaissez de vos cendres un peu comme le phénix. Vous vous rééquilibrez, vous êtes en pleine élévation, vous avez purifié les énergies négatives et tout ce qui ne vous correspondait plus. Ça peut me parler aussi de soins énergétiques, de douches de lumière, de bains de sel. Je vous dis tout ce que je ressens. Vous allez vers l'abondance, une belle victoire avec beaucoup de lumière. Plantez de nouvelles graines, quelque chose de nouveau dans votre vie, un nouveau projet, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'avancer, de nouvelles personnes. On vous dit que vous avancez vite parce que vous arrivez à vous séparer de ce qui ne vous correspond plus. Peut-être d'un côté sacrificiel, de blessures, de peurs, de tristesse. Vous visualisez, vous allez visualiser en écoutant vos intuitions ce que vous voulez réellement. En loi de l'attraction, le fait de le visualiser, de l'écrire, de ressentir déjà l'émotion comme si vous aviez ce que vous vouliez, eh bien, ça la matérialise, ça aide à la matérialiser. C'est pour ça qu'on a l'enfant. Et vous gardez les choses pour vous avec le cadre de Pentacle. Ça me parle aussi de garder de l'argent peut-être pour un futur projet. On vous dit que vous allez avoir le monde à vos pieds. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous culpabiliser, vous montrer du doigt. Mais c'est égal. Vous avez fait un gros travail à l'intérieur de vous. Peut-être que vous allez culpabiliser un moment pour certains si vous vous rendez compte que, au final, ce que vous découvrez, c'est que vous aviez juste bloqué votre cœur, votre émotionnel, et vous coupez avec ça aussi. Vous libérez de tout ça. Vous rapprochez de personnes, d'amis sincères aussi, qui vont vous aider. Vous voyez, qui vont vous aider à avancer, à savoir qui vous êtes, où vous voulez aller, parce qu'ils vous connaissent bien. Vous libérez de tristesse, d'émotions négatives, de choses qui vous ont fait du mal. Vous allez être fidèle à vous-même, attirer une personne ensuite qui va être fidèle, qui va vous être fidèle. Peut-être une personne étrangère, ou en tout cas vous, vous bougez. Vous bougez dans vos énergies, vous prenez de la hauteur, vous avez encore une fois le monde entre vos mains. Ça nous parle de partage, d'échange, d'amour, d'équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? On s'équilibre avec nous-mêmes, on a une belle relation qui arrive à nous, ou en tout cas nous à l'intérieur de nous-mêmes, on s'équilibre, on équilibre nos émotions, on équilibre nos énergies, on purifie tout ça, on prend soin de nous effectivement et on est fidèle à nous-mêmes. Bon, c'est hyper cohérent et c'est hyper intéressant. Je vais aller faire un tirage complété au niveau sentimental, vraiment, qu'est-ce que ça peut nous dire pour demain et après-demain. Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental, s'il vous plaît? Waouh, encore une fois la lumière. Vous faites la lumière sur une situation au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a un équilibre qui est retrouvé. Ouais, par rapport à des énergies négatives. Vous voyez, il y avait des énergies négatives autour de vous. Et pour moi, vraiment, il y avait des énergies tierces. Vous mettez le doigt dessus, vous voyez, ouais, vous comprenez. Il y a vraiment quelque chose qui se conscientise au niveau de l'amour, au niveau des relations, au niveau de... C'est dans notre conscience, on comprend, on a les clés, il y a quelque chose qui se débloque, on fait la lumière, encore une fois, c'est ch'tac, la lumière qui s'allume là, vous voyez. Ouais, par rapport à la maison, par rapport à un équilibre. Et ça peut être le fait que peut-être que vous étiez célibataire, que vous trouviez personne parce que vous aviez bloqué votre cœur. Peut-être que vous attendiez une personne et au final, on vous dit que cette personne a bloqué son cœur ou que vous avez bloqué votre cœur, vous risquez pas non plus de l'atteindre, voyez, ou peut-être que cette personne vous a bloqué le cœur et qu'au final elle n'est pas faite pour vous.
Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors, elle tombe à l'envers. Donc, pour moi, c'est vraiment qu'on se libère de la colère, même si je vais vous la lire à l'endroit. Parce que elle tombe aussi sur les émotions, vous voyez, et sur l'anneau où on se rééquilibre. Donc, peut-être que vous bougez, vous sortez peut-être aussi d'une colère au niveau émotionnel. Au niveau sentimental, on sort peut-être d'une colère. Vous voyez, on a peut-être tristesse, colère, peur, attente, des énergies comme ça négatives. Vous voyez, ça se recoupe. Et là, on s'équilibre aussi. Nous, on équilibre notre famille, on équilibre. Vous voyez, on a quatre cœurs qui s'équilibrent. On est vraiment, puis ça me fait penser à un radiateur, parce que le radiateur c'est la chaleur en hiver, vous voyez, c'est, on est bien, c'est cocooning, on se, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a compris à l'intérieur de nous, vous voyez, vous allez vers quelque chose de stable. J'ai encore une fois l'amitié derrière, donc ça peut être avec un ami, hein. Ça peut avec, être avec un ami, et puis bah au final vous vous rendez compte que c'est un amour, ce n'est pas un ami, c'est au final un amour. Only you. Ta-da-dum, ta-da-dum, ta-da-dum. Oh, only you. Ah, c'est ça quoi, non, quand on aime. Pourquoi que on n'est pas obligé d'être juste avec l'autre si on aime. Bon alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle d'étudier, ouais, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Vous faites la lumière sur quelque chose que vous avez longtemps étudié. Alors pour certains, ça peut être, par exemple, vous êtes dans une relation de flamme jumelle et puis vous vous demandez si vous vous bougez en miroir, l'autre devrait bouger en miroir et puis l'autre il bouge pas mais vous vous bougez. Alors est-ce que c'est vraiment votre flamme jumelle? Est-ce que ce serait pas un faux jumeau? Et quelque chose qui s'éclaire comme ça. Pour d'autres, vous bougez, vous étudiez, oui mais pourquoi du coup je suis toujours célibataire? Mais parce qu'en fait, peut-être que je suis juste pas prêt, tout simplement en fait, justement parce que mon cœur est gelé, voyez. Pour d'autres, bah, pourquoi ça se passe pas aussi bien avec cette personne? Bah, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a des énergies négatives, il y a quelqu'un d'autre autour de lui, ou lui, dans son mode de fonctionnement, il y a quelque chose qui bloque. Lui, moi, je vous dis lui parce que je suis une femme, hein, mais ça peut être elle. Hein. Vous remettez dans le contexte si vous êtes un homme. Hein. D'accord. La cigogne. Vous voyez, vous allez vers quelque chose de nouveau parce que la cigogne tombe vraiment sur les énergies négatives. Donc là, on laisse ces énergies négatives de côté, même au niveau sentimental. Et on va vraiment vers un nouveau projet. Ça peut nous parler d'enfant, ça peut nous parler de quelque chose de nouveau. Et c'est le chiffre 17. C'est comme l'étoile, si vous voulez. L'étoile dans le tarot, c'est le 17. On vous dit que vous êtes guidé, encore une fois, pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet. J'ai deux fois la cigogne. Ça peut me parler vraiment d'enfant pour certains qui attendaient. On vous parle de cadeaux aussi, de bouquets. Par exemple, vous allez sortir des énergies négatives puisque vous attendiez un enfant et puis ben, on va vous annoncer une grossesse. Ça peut être ça aussi. Là, on vous dit que vous allez comprendre. Vous allez comprendre le cadeau que vous vous faites déjà à vous-même. Pour moi, ce bouquet, c'est vous qui vous le faites. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Ouais, un homme. La stabilité au niveau de la famille. Reprendre de la polarité masculine aussi. Vous voyez, si vous êtes une femme ou un homme, hein, d'ailleurs. Hein, reprendre la polarité masculine. En tout cas, quelque chose de stable avec une polarité masculine. Ouais. Vous êtes peut-être un homme et vous avez besoin de plus de stabilité. Regardez, vous avez le soleil, la lumière sur toutes les émotions négatives. Au niveau sentimental, il y a quelque chose vraiment qui s'éclaire. J'ai les oiseaux, la communication. Et derrière, regardez ce que j'ai. J'ai le renard qui était à l'envers. Donc, c'est-à-dire que les menteurs, voilà, les personnes qui sont pas honnêtes, qui portent des masques, qui sont rusées un peu, vous voyez, fourbes comme ça, on va les laisser de côté et on va vers quoi? Vers une vraie personne fidèle, d'accord? Le cavalier qui arrive vers vous et puis qui vous tend sa coupe d'amour, ce fameux cavalier de coupe qu'on voit depuis tout à l'heure, hein, clairement. Hein. Ok. Qu'est-ce que le quoi lequel je prends? Bah tiens, on va continuer dans les petits oracles parce que je les trouve sympas. Et puis on va aller voir ce que ça nous dit avec l'amour divin. Si c'était pas beau. Alors ce petit oracle, il est tout petit, mais il est tout mimi. Moi je l'aime beaucoup. Tout petit, tout mimi. Il ne coûte pas cher en plus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, l'ancien. Ah, vous voyez? Peut-être que vous comprenez aussi vos anciens modes de fonctionnement au niveau sentimental. Vous faites la lumière parce que vous avez étudié. J'ai toujours les mêmes schémas au niveau amoureux qui se reproduisent, mais je ne comprends pas pourquoi. Ben là, vous allez comprendre. Et pour moi, vous vous en libérez. Ouais.
Ouais, vous étiez impatient d'avancer au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui était. Vous étiez impatient de débloquer quelque chose de nouveau. Peut-être impatient d'avoir un enfant, hein, pour certains. Hein. En tout cas, vous allez vers la lumière et vous allez réaliser ce que vous voulez parce que vous prenez le temps d'aller vers justement l'ancien. Là, vous allez être dans l'amour inconditionnel, soit avec une personne, soit une personne va venir vers vous dans l'amour inconditionnel. En tout cas, il y a une histoire de comprendre aussi ce que s'aimer sans condition. L'amour inconditionnel, c'est aimer sans condition. Vos enfants, pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui n'en ont pas, vous avez qu'à prendre vos animaux. Hein. Mettons votre chat, il griffe votre tapisserie ou quoi que ce soit. Sur le coup, vous avez envie de le tuer, mais vous l'aimez. Vous n'allez pas le foutre dehors pour ça. Votre chat, vous l'aimez, c'est comme ça. Votre animal, il peut faire ce que vous voulez. Si vraiment vous l'aimez, bah vous l'aimez de cette façon, et même s'il fait des bêtises. Un enfant, c'est pareil. Alors, c'est encore pire. Un enfant, on l'aime de façon inconditionnelle. Votre enfant, il vous dessine sur les murs, vous avez envie de le piler. Il vous pète votre parfum préféré, ce que vous voulez préféré, vous avez envie de le tuer. Mais quoi qu'il advienne, même à cet instant-là, quoi qu'il advienne, vous l'aimez, sans condition. Bah, c'est ça l'amour inconditionnel. Et c'est peut-être le cadeau de comprendre cet amour inconditionnel qui va débloquer des choses au niveau sentimental. Vous voyez, parce que j'ai la joie derrière. Il va y avoir la joie avec un homme. Hein. Là, clairement, il va y avoir la joie avec un homme et de la stabilité au niveau de la famille. Hein. Vous avez, en plus, ça tombe sur le monde. Hein. Ouais. Pour ça, il faut ouvrir votre cœur et vous libérer des émotions négatives. Hein. Parce que ça tombe beaucoup dans le tirage aussi. Hein. Vous voyez, je vous disais, votre créativité, votre cœur est bloqué. Ben là, du coup, on va vers quoi? Le soleil, la lumière, la créativité. J'ai quand même 3 cartes de soleil dans ce tirage. Okay, j'ai beaucoup de cartes de stabilité, d'équilibre, de cœur, de naissance, d'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? De nouveaux projets. Donc, c'est quand même super positif. Hein. Et le destin, ouais. C'était destiné. Vous devez poursuivre votre destin. C'était écrit, c'était destin. C'était écrit, c'était destin. Rien à voir. C'était destiné. Vous êtes tellement bien équilibré là pour mercredi, jeudi que du coup, vous faites la lumière en ayant bien étudié peut-être les situations du passé que vous avez vécues au niveau sentimental. Vous allez vous libérer pour moi d'énergie négative pour aller vers quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne, un nouveau projet ou alors faire un enfant avec la personne avec laquelle vous êtes ou alors vraiment aller aussi voir d'autres cercles amicaux pour aller côtoyer d'autres personnes. Vous voyez, vous êtes même impatient d'aller dans cette direction et de vous libérer de toutes ces énergies négatives et d'aller vers quelque chose de nouveau déjà pour vous. Vous comprenez beaucoup de choses sur vous-même au niveau sentimental. Vous comprenez de vos relations passées aussi. Vous faites ce cadeau vraiment de faire un pas vers l'amour inconditionnel. Et d'abord, l'amour inconditionnel de vous-même. Qu'est-ce que ça vous amène? La stabilité au niveau de la maison. Un homme, une polarité masculine ou une femme avec une polarité masculine qui vient à vous, d'accord? Beaucoup de joie, de bonheur. On se libère de la colère. Ça tombe sur les émotions qu'on purifie, voyez. Et du coup, qu'est-ce qu'on amène? La lumière. La lumière, la créativité, vraiment. Waouh, ce côté rayonnement interne. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on attire la bonne personne à nous aussi. Ça nous parle de communication, ça nous parle d'une histoire destinée, d'une histoire qui va être stable. Les liens d'âme, liens de flamme jumelle, ceux qu'on dit que ce ne sont qu'une seule et même âme en haut. Et quand on est descendu sur terre, on s'est scindé en deux et on attend de se retrouver. Ça peut aussi, vous pouvez aussi avoir des messages au niveau sentimental. Si les messages vibrent en vous, souvent on me parle, si vous sentez que ça vous parle et que ces messages sont faits pour vous, vous arrêtez pas au fait que je fasse les tirages pour les flammes jumelles. Faites. Écoutez-les. Si vous les sentez au fond de votre âme, c'est que c'est pour vous. D'accord? Allez, on est parti. Je vais prendre une carte pour les personnes qui regardent ce tirage, qui sont en relation de flamme jumelle. En tout cas, pour les personnes au niveau sentimental, waouh, le féminin sacré. Le féminin sacré qui tombe à l'envers. Donc vous éloignez du féminin sacré, ce qui est plutôt pas mal parce qu'en général, ceux qui regardent les tirages sont beaucoup dans le féminin sacré et ont besoin d'aller vers leur masculin sacré, ce qui veut dire que vous équilibrez. Très bien. En tout cas, vous écoutez vos intuitions. Vous écoutez vos intuitions par rapport à cette relation. Ok, d'accord. Bon, super. Alors, votre autre, on va être au clair. J'en ai 3 qui sont tombés et je vais les prendre. Vous comprenez
Elle est tombée sur vous, je vais la prendre sur vous, celle-là. Vous, vous comprenez beaucoup de choses. Vous comprenez le lien. Peut-être que vous comprenez... pour certains, vous comprenez que c'était un faux jumeau, que c'était pas votre vraie flamme jumelle. Alors, il y en a qui vont dire, les faux jumeaux, ça n'existe pas. Je vous assure, ça existe. Pour l'avoir testé, ça existe. Et je vous assure que jusqu'au bout, on pense que c'est notre flamme jumelle. Au niveau de l'âme, c'est... attention, hein. C'est vraiment là, c'est ancré, c'est posé, c'est tiraillé. Une vraie flamme jumelle, c'est beaucoup plus fluide et c'est beaucoup plus simple, en fait. Et on ne se blesse pas volontairement, d'accord ? Et quand on avance, l'autre avance en miroir. À un moment, si vous avancez, les relations miroir, flamme jumelle, l'autre avance. On est là pour se faire travailler et avancer. Ensemble, même s'il n'y a pas de discussion, même s'il n'y a pas de réunion, même si on est en non-communication, quand vous prenez des nouvelles de l'autre au bout de 6 mois et que vous avez avancé au niveau spirituel de fou, lui, il a avancé en fait. S'il n'a pas avancé à un moment, c'est vraiment que c'est qu'il y a un problème, quoi. Et peut-être que vous, pour certains, vous conscientisez ça. Pour d'autres, vous avez compris ce lien. Vous avez compris ce lien, vous savez que c'est votre flamme jumelle, vous êtes dans votre féminin sacré et vous commencez vraiment à lâcher pour vous équilibrer avec votre polarité masculine. Vous êtes en train d'équilibrer vos polarités. Pour votre autre, vous lui manquez. Il y a une histoire de cœur brisé, vraiment. Il a du mal, son éveil spirituel est bloqué un petit peu parce qu'elle tombe à l'envers. Mais il y va quand même. Il y va, mais c'est comme si le manque même bloquait son éveil spirituel, vous voyez. Il a peut-être bloqué votre cœur, son cœur aussi, votre autre. On va prendre une autre carte pour votre autre. Ah, si elle tombe, c'est pas point. Ah, le choix. Il n'arrive pas à faire un choix. Ah, votre autre, il est bloqué dans un choix. Ouais. Et puis, vous voyez, il a le... Votre autre est bloqué dans un choix. Il n'arrive pas à faire un choix. Je vous la mets à l'endroit, mais elle tombait à l'envers. Il y a une histoire de choix, peut-être de triangulaire pour certains, peut-être pour d'autres d'énergie tierce, tout simplement, lâcher un travail, lâcher des amis, quelque chose qu'on n'arrive pas à lâcher, on n'arrive pas à choisir, votre autre, il n'arrive pas à choisir. Mais il sait que vous lui manquez, hein, ça c'est sûr. Vous, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus équilibré, vous êtes beaucoup plus dans votre complétude, ouais, agir. Oui, bah oui, bah il faut agir parce que là, à un moment, l'un comme l'autre, vous êtes en train d'atteindre vos limites, hein. Ok, d'accord. On va aller prendre une petite carte avec le Dizzy pour vous. Je sais pas, comme ça. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? La femme. Alors vous, vous êtes vraiment dans la polarité féminine. Donc clairement, là, on a des femmes où on a des hommes vraiment de polarité féminine qui écoutent ses intuitions. Ça fait 2 fois qu'on a la femme, le féminin sacré et la femme. Ok, quoi. Ah ouais. Et votre autre, il doit faire un choix, encore une fois. Donc on vous dit qu'il va vous choisir, votre autre. Ok? Il va faire le bon choix, votre autre. Parce qu'on a encore une fois le choix à faire. Il a ce choix à faire. Pour moi, il va le faire. D'accord ? Ouais, la croix. Bien sûr, c'est un parcours de croix. C'est un parcours qui est compliqué, qui est long. Mais on vous dit que vous êtes guidé pour traverser les épreuves. Et que là, il faut prendre soin de vous. Et bien rester ancré et fonctionner avec le cœur. D'accord ? Bon, bah écoutez, c'est pas mal comme tirage. On va aller prendre une petite carte ou deux des anges. Quels sont les messages des anges pour mercredi, jeudi? Tiens, j'en aurai 3. La chanson du cœur, quand je vous dis d'écouter votre cœur. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et pour moi, c'est vraiment vous, ceux qui regardez le tirage, là, c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. Et puis, vous gardez ça pour vous. On vous dit la chanson du cœur. On vous demande d'écouter votre cœur, de vous arrêter sur votre cœur. Que la vérité, elle réside, que la vérité de votre cœur réside entre vos pensées. Ce qui veut dire ne pas écouter ces schémas de pensée bloquants qui vous disent tu n'y arriveras pas, etc. Vraiment d'agir avec votre âme. Et pour moi, c'est ce que vous faites là. Vous êtes en train de mettre ça en place, en fait, vous voyez. Les peurs, c'est ça, vous vous libérez des peurs. Vous avez l'archange Michael qui vous protège. Il vous dit de vous faire confiance, que lui, il peut dissoudre la peur sans souci. Il suffit de se connecter des fois juste à un archange ou de demander qu'on vous libère de la peur. Et l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Il y a une guérison du cœur à faire. Là, pour certains, c'est vraiment ça. Vous avez besoin de guérir au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur pour avancer. Bon, ce tirage était super sympa à faire.
on a des belles énergies pour mercredi, jeudi. En plus, derrière, on arrive vers la nouvelle lune, si je ne me trompe pas, peut-être en cancer, je ne sais plus, je n'ai pas regardé. Donc, je vous ferai les énergies de la lune sûrement pour ce week-end où je vais voir comment je vais le faire. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous fais des gros bisous, à activer les notifs et mettez-moi des commentaires. Moi, j'aime bien les commentaires. Je les lis, je vous mets tout le temps des petits cœurs parce que j'adore vos commentaires. Encore une fois, un très grand bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'oublie de le dire tous les jours, enfin à chaque fois que je fais un tirage. Merci de me suivre sur ma chaîne, vraiment c'est adorable à vous tous. Il y a plein d'abonnés tous les jours et c'est cool et je suis super contente de vous retrouver. Donc j'espère que mes tirages vous plaisent et je vous fais des gros bisous à tous et je vous retrouve ce week-end pour les énergies de vendredi, samedi, dimanche. Ciao, ciao, ciao les loulous, bye bye.